Oh là 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 là. Oh là là, ça va commencer. Ça va commencer. Alors je sais pas à quel moment de la vidéo je vais mettre cette partie. Je pense que ça va être le début. Donc je vais vous dire un grand bonjour. Bonjour, aloha. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World pour une vidéo particulière. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, tous les ans, il y a un grand congrès Qualcomm. Le congrès Qualcomm, alors Qualcomm sont les puces, hein. Vous savez, il y a les puces dans les smartphones pour la réception de la 5G, des tas de choses sur le Bluetooth, ils ont tout ça. Et tous les ans, ils font un congrès, ici à Hawaï, avec des gens du monde entier. On va les voir dans quelques instants. Vous avez des gens de tous les pays, vous avez, voilà, regardez comme c'est beau, on rentre en même temps, on le fait ensemble. Des gens de tous les pays, vous avez tous les professionnels qui sont là, vous avez des marques, vous avez tout le monde est ici. Alors c'est intéressant, le monde entier est devant vous, messieurs, dames, vous n'avez même pas idée. Et moi avec. Et dans quelques instants, ils vont nous présenter des nouveautés. Moi, j'ai décidé cette année de faire un truc particulier, c'est-à-dire de ne pas aller de tous les côtés. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai fait un truc d'aller de tous les côtés, sur les processeurs, sur tout. Et je me suis dit, ma spécialité, elle n'est pas franchement sur l'architecture des puces et des processeurs. Donc cette année, ce que je vais faire avec eux et avec vous, c'est quelque chose qui est autour de l'audio. Parce que eux, ils ont vraiment de l'audio. Ils ont le Bluetooth. Ils ont le Bluetooth lossless, ils ont la PTX HD, ils travaillent sur la latence, sur le gaming quand on travaille justement, ils travaillent en même temps. Vous allez le voir, là je le mets peut-être en avant-première parce que là c'est pas encore annoncé. Ils travaillent également sur l'audio spatial, vous savez quand vous tournez la tête comme ça, façon Apple, vous avez l'audio spatial, ils travaillent là-dessus. Donc on va parler dans cette vidéo uniquement de cette partie-là, c'est-à-dire toute la partie audio, donc l'avenir des codecs, le Bluetooth, la qualité de vos systèmes, donc les casques, les écouteurs, parce qu'on va avoir des annonces avec Bose, maintenant je peux vous le dire, parce que moi je suis ce matin, je parle avec eux quand même, il y a des annonces avec Bose, il y a plein de trucs, donc on va s'attacher à l'audio, le futur de l'audio dans vos matériels, avec justement ce que fait Snapdragon, donc Qualcomm, avec tous les fabricants, notamment Android, hein, puisque à la base, oh là, ça va commencer. Donc c'est de la thématique, et je suis très 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 heureux, et j'espère que ça va vous plaire, parce que j'ai des sessions intéressantes avec des ingénieurs qui vont me raconter la vie sur le lossless, sur l'audio, la qualité absolument incroyable, les compressions de données pour l'audio, vous avez un meilleur son avec moins de débit, enfin plein de trucs, tout va y passer, je vais essayer de faire en sorte que ce soit extrêmement compréhensible à tous, parce que c'est lourd, oh là là, 30 secondes, j'arrive juste à temps, c'est merveilleux, allez c'est parti. Let's go! Carrément. Au milieu de la vidéo, c'est tout simple. D'abord, vous allez me voir, me balader partout, essayer d'avoir les informations. Je vais assister aux réunions, parler aux ingénieurs, voir les conférences, vous allez me voir faire des petites démos avec vous. Et après tout ça, il y aura une autre partie de la vidéo, tout est chapitré, vous inquiétez pas. Une autre partie de la vidéo dans laquelle je vais faire le point. Je vais planter le trépied au milieu de la plage. J'ai toutes les informations devant moi sur tout ce qui va se passer et autres. Et on va faire le point ensemble avec les données. Truc important à savoir, Qualcomm a fait des sondages également. Ils ont questionné les gens. Vous allez voir des slides à l'écran, des tas d'images, en demandant aux gens qu'est-ce que vous voulez sur des écouteurs, qu'est-ce que vous voulez sur des casques, est-ce que vous voulez de l'audio spatial, est-ce que vous voulez du lossless, est-ce que vous voulez quoi, qu'est-ce que vous voulez. Donc on va répondre à ça tout à l'heure, plus les informations qui vont être données ici par Qualcomm sur l'avenir de l'audio. Donc il y a vraiment de tout. Vous allez voir, on va vraiment faire un point complet qui nous permettra, je l'espère, messieurs, dames, d'avoir une vision claire, nette et pleine d'amour de l'avenir de l'audio et du Bluetooth pour 2023 selon Qualcomm. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce que font les autres. Hein. C'est rien de le dire. Allez, c'est parti. Mais quelle intro hollywoodienne. Une intro hollywoodienne. Mais quelle intro hollywoodienne. Vous avez vu un petit peu cette mise en place, cette mise en scène de la part de Qualcomm pour annoncer leur nouveau processeur. Mais ce que j'ai envie de faire maintenant après cette intro, c'est vous parler justement un petit peu de Qualcomm. Alors, qui est Qualcomm? Qualcomm extraordinaire, géantissime marque connue dans le monde entier qui fabrique des processeurs, des plateformes numériques, les Snapdragon. Alors, pour vous faire un petit peu rêver, moi je suis là quand même un peu pour ça. Pour vous faire rêver, je vais vous donner un petit peu la liste des marques, des petites marques hein, qui bossent avec
avec Qualcomm qui utilise justement les plateformes, les processeurs. Attention, accrochez-vous, il va y avoir de la houle. Alors parmi les marques inconnues, il y a Oppo, Xiaomi, Motorola, Honor, Nubia, Sharp, ZTE, Vivo, Sony, Samsung, Asus. Ces marques-là travaillent avec les processeurs justement Qualcomm. Il y a 200 références de modèles haut de gamme qui utilisent justement les processeurs Qualcomm dans le monde d'Android, hein, évidemment, puisque Qualcomm, c'est quand même Android, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop. Si j'ai la chance d'être ici à Hawaï avec mes confrères, c'est pour l'annonce d'une nouvelle plateforme. Donc la génération 2, qui est bien sûr plus belle, plus jolie, plus tout ce que vous voulez. Attention, tenez-vous bien, je vais aller rapidement sur cette génération 2, voilà, vous allez voir. Il s'agit du premier processeur 5G cognitif, donc avec un circuit neuronal, intelligence artificielle, c'est la première fois qu'il y a ça sur un processeur 5G. C'est eux qui le disent, hein. Moi, vous savez, hein, capable de travailler le 8K 60 images par seconde, il y a le Wi-Fi 7 à bord avec 2 millisecondes de latence, c'est de la folie furieuse. Donc il faut savoir que quand les fabricants utilisent ce type de processeur, ils font ce qu'ils veulent avec. C'est-à-dire qu'en effet, le processeur est là, il gère le Bluetooth, vous allez voir tout à l'heure justement l'audio, la vidéo, la réception 5G, tout ça c'est géré par le processeur. Les marques utilisent bien sûr le processeur Snapdragon, mais après elles font ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'elles choisissent la façon de l'utiliser, de l'optimiser, d'utiliser la plateforme numérique, les amis. Par exemple, quand Xiaomi annonce « Oh là là, nous on a des smartphones capables de filmer en 8K à 30 images par seconde », c'est géré justement par Snapdragon. Donc l'idée pour Qualcomm, c'est tous les ans d'avoir des processeurs de plus en plus performants pour que les marques aient également, logiquement, des smartphones de plus en plus performants. Voilà, c'est l'idée de base. Mais on est là surtout pour parler d'audio. C'est le thème de cette vidéo. Vous avez vu le titre, l'avenir de l'audio en 2023. Maintenant, je vais aller voir des ingénieurs autour d'une table ronde. Je vais commencer à prendre des infos sur l'audio. Après, je vous retrouve pour justement vous en dire encore plus avec des démos sur le terrain, des tas de choses et des beaux décors. Des beaux décors. Il y a des fois, il faut savoir dire quand même, quoi. Quand même. Eh bien, voilà, quand même. Alors, que se passe-t-il? Là, officiellement, c'est... Oh là! Il y a des bestioles par terre, oui, c'est des gros lézards. Je n'ai pas le temps de le filmer. Que se passe-t-il? Deuxième jour de conférence ici à Hawaï, à l'île de Maui. Toujours bien sûr des conférences qui sont autour de l'audio, du gaming. Alors maintenant, je vais à nouveau aller voir une petite session audio parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas encore compris. Donc oui, mais moi, il faut m'expliquer longtemps. Bon, pour revenir un petit peu à nos moutons qui sont très très ensoleillés, c'est en effet ici que ça se passe. Mais il y a un truc, ils ne font pas normalement, c'est vraiment des tables rondes. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels, vous allez voir comment ça se passe dans quelques instants. Et on se retrouve tous comme ça. Alors on parle de mobile, on parle d'expérience, on parle de gaming. Et là on se retrouve dans un truc qu'ils ne font pas les autres années, je trouve ça super marrant. Voilà, Voice and Music, ça va être ici, je crois. C'est parti, on va bien rigoler, croyez-moi sur parole, histoire de planter le marché, on plante bien. Hein. Je vais commencer cette petite partie de la vidéo avec un sondage. Qualcomm a fait un sondage sur plusieurs mois en Europe, aux États-Unis, en Asie, sur la façon dont les gens appréciaient la musique, c'est-à-dire la qualité audio, la musique, les écouteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient avec, pourquoi, comment et à quelle heure. Alors la première question qui me paraît intéressante, c'est ce que les gens attendent du produit le plus vendu actuellement, des écouteurs True Wireless. Vous voyez les écouteurs, il y en a plein sur la chaîne. Qu'est-ce que les gens attendent réellement? Ça, c'est donc un sondage pour le monde entier. Alors en numéro 1, c'est pas la qualité audio, hein. Je vous le dis tout de suite, courage mes frères et sœurs. Numéro 1, ils ont raison, ils veulent que les petits earbuds, donc les petits écouteurs, soient solides et surtout qu'il n'y ait pas de chute de signal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coupure du Bluetooth. C'est ce qu'ils veulent d'abord, une stabilité dans le Bluetooth. Numéro 2, ça me paraît important à 68%, c'est qu'il y ait la réduction de bruit numérique, ça devient primordial. Pour 68% des personnes, c'est primordial maintenant, tous ces produits et une réduction de bruit numérique. Je le dis, je le clame depuis des années, personne ne m'écoute, mais enfin ça y est, le monde m'écoute, messieurs, dames, croyez-le bien sur parole. Numéro 3, alors un truc super important auquel j'attache peut-être pas assez d'attention moi dans mes tests, la qualité et la clarté des appels téléphoniques à 67%. Les gens veulent s'entendre tout simplement, pas plus loin, dans une gare, dans un train, sur la plage, ils veulent s'entendre. Après, arrive un truc super important, la qualité de l'appairage, c'est-à-dire en effet un appairage Bluetooth hyper rapide pour 67% des gens et arrive après, en bon dernier mais quand même avec 66%, la qualité audio. Alors il parle de lossless et du streaming, je pense qu'à la base c'est tout simplement la qualité audio. Je ne suis pas sûr que les gens, le mot lossless ou le côté non compressif soit vraiment donné. Voilà, là sur les 5 points, la qualité audio arrive quand même en dernier. Hein. Ça je dis rien. Hein. Justement. La qualité audio, il y a un petit sondage intéressant sur la perception des gens au niveau de la qualité audio. Parce qu'en effet, on entend des gens dire « ouais, j'y crois pas, je m'en fous » et autres. Et bien dans le « je m'en fous », il y a quand même 26%.
Il y a 26% des gens interrogés qui s'en foutent complètement de la qualité audio. Il y a 13% des gens qui trouvent que le MP3, c'est super, ça suffit parfaitement. Voilà, vous me direz, vous vous positionnez par rapport à ça. Il y a 12 et 17% des gens qui rêvent d'une qualité CD. En effet, ils trouvent que la qualité CD peut être importante. C'est mélangé en même temps, hein, lossless audio et qualité CD, alors qu'a priori, c'est la même chose. Et il y a 32% des personnes interrogées qui, elles, aimeraient avoir une haute qualité, donc du 24 bits. Alors, moi, franchement, j'ai beau être dans la profession, j'ai beau être un mec qui adore complètement Hawaï et la qualité audio, je doute que 32% des gens interrogés soient sensibles à la qualité 24 bits et la réclament. Ça, c'est une surprise, ce sondage. Je suis très heureux si c'est la vérité. C'est un sondage qui est fait donc États-Unis, Europe et Asie. Moi, j'ai l'impression que plutôt les questions, c'était est-ce que vous voulez une bonne qualité audio ou encore plus ? Les gens, si vous dites en effet encore plus, ils vont vous répondre encore plus. Si c'est vrai, moi, je suis super content. Voilà. Donc, c'était un petit sondage. Vous voyez actuellement le truc à l'écran. Alors, vous voyez, moi, je suis dans la profession. Je suis un mec qui adore l'audio. J'adore ça. C'est vraiment ma life. Mais je me dis quand même que si je questionne les gens autour de moi, ils vont me dire, bah, moi, je suis globalement très content du son. Je suis content de mes AirPods Pro. Je suis content de mon casque. Il n'y aura pas de notion de recherche. C'est-à-dire que moi, j'entends pas des gens me dire, oh, de toute façon, je veux vachement mieux. Je veux beaucoup mieux que ça. Je veux en effet de la qualité CD. Je veux du 24 bits. J'entends pas ça autour de moi. Et c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles Apple n'a pas bougé. Apple, ils vendent des millions de produits qui sont parfaitement dénués de qualité CD ou de qualité 24 bits et il y a les codecs les plus basiques. Pourquoi ? Parce que eux, Apple, ils ont fait des sondages et les gens sont contents de ce qu'ils ont actuellement et Apple ne se sent pas pour le moment obligé de faire monter la qualité audio. Ils peuvent très bien le faire demain matin, mais il faut quand même être réaliste, il y a un côté quand même niche sur l'idée d'avoir du 24 bits ou du lossless sur des petits écouteurs comme ça ou certains casques. Les gens qui aiment vraiment la hi-fi, ils vont brancher un casque en filaire à une chaîne hi-fi, un baladeur ou un truc comme ça. On n'attend pas toujours de ces petits produits des performances hallucinantes de casques à 1000, 2000, 3000 euros. Donc le truc, il est là. Et c'est pour ça que le débat va être intéressant quand je regarderai un peu vos commentaires sur la vidéo. D'un côté, il y a Qualcomm qui nous dit que je crois 33% des gens, 32% des gens dans le monde veulent de la qualité high quality, vraiment high resolution, donc du 24 bits. Et ma surprise est totale, sachant que les gens actuellement écoutent un son qui est plutôt relatif au AAC, donc au MP3, ont très très peu de qualité CD. Et là, on leur dit 32% veulent du 24 bits. Tant mieux. Si c'est vrai, tant mieux les loulous. Ça donnera beaucoup de trucs à dire en 2023 si tout ce petit monde décide d'acheter des produits qui risquent peut-être de se pointer un jour ou l'autre, peut-être chez Apple, avec la qualité CD, avec du 24 bits. On va parler justement du cas Bose tout à l'heure, qui lui, je vous le dis par avance, va aller vers le lossless en 2023. Mais carrément, mais Bose, ils vont sortir des produits et des mises à jour pour que les produits Bose soient en qualité CD plein pot, lossless. Là, c'est une des annonces que je voulais, attendre pour la voilà ferme, je la fais maintenant. Je vais reprendre un petit peu les bases du Bluetooth pour que vous compreniez bien ce qui va se passer maintenant. Alors le Bluetooth avec Qualcomm, dans tous les cas, ce sont des codecs qui leur appartiennent parce qu'ils en ont racheté une partie, notamment l'APTX. Il apparaît ici le logo APTX. L'APTX, c'est sympa parce que l'APTX permet d'aller à 355 kbps par seconde. Sachez qu'il y a dans l'APTX un algorithme signé Qualcomm qui permet peu ou prou de retrouver la qualité CD. C'est-à-dire on reconstruit un petit peu, je tousse un peu, c'est pas grave. On est loin des 1,4 mégas de la qualité CD, mais enfin, voilà, c'est une compression avec perte, mais on limite la casse. Après, vous avez l'APTX adaptive. Celui-ci, il est marrant. Il est super utilisé par un peu tout le monde, pas tous ceux qui veulent, c'est-à-dire pas Apple, déjà, entrée de jeu. Donc l'APTX adaptive, il peut monter à 420-425 kbps par seconde et il s'adapte. C'est-à-dire qu'en effet, il peut avoir le débit maximum, redescendre, il s'adapte. Celui-ci, comme son nom l'indique, il est bien utilisé dans le gaming parce que la latence n'est pas énorme avec l'APTX adaptive. Et suivant le cahier des charges, ils disent qu'en effet, il est capable de transporter un signal 24 bits avec une compression gigantesque. C'est-à-dire qu'en effet, vous pouvez avoir du 24 bits dans la source, mais vous compressez beaucoup hein, parce qu'on est quand même loin du 24 bits. Après l'APTX adaptive, vous avez l'APTX HD. Alors lui, il est parfaitement conçu justement pour la qualité CD, pour l'audio 24 bits haute définition. Il peut gérer l'audio ARS 24 bits avec une compression gigantesque aussi. Hein. Donc c'est de la HD, mais on compresse. Tous ces codecs donc, qu'on balance dans le Bluetooth c'est le vecteur, hein, c'est le porte-avions, on les met dessus, on les balance. Tous ces codecs sont compressifs avec perte de données, c'est-à-dire lossy. Ce n'est pas du lossless, on y arrive justement tout à l'heure. Il faut savoir que ces codecs APTX, APTX Adaptive, APTX HD, c'est uniquement pour l'écosystème Android. Chez Apple, ils n'y ont pas, ils ne touchent pas. Maman, il ne faut pas toucher à ça, pas possible. C'est SBC, AAC, le reste, tout l'univers Android. Ça, c'est la base. Donc,
Voilà, c'est comme ça. La vie est belle quand même. Regardez un petit peu, la vie est belle. Par contre, l'année dernière, déjà, Qualcomm a commencé à nous parler de la PTX Lossless. Alors, la PTX Lossless, c'est dur à dire. La PTX Lossless est en effet un codec signé Qualcomm qui permet justement de ne pas avoir de perte de qualité quand on a un signal en CD. Qualité CD, donc plein pot, eh bien on peut l'avoir en qualité CD. C'est du bit by bit, c'est-à-dire que tout ce qui était au départ se retrouve à l'arrivée. Voilà, c'est la PTX Lossless. Il y a un an, j'ai fait une vidéo sur la PTX Lossless et il y a des produits qui commencent à arriver. Il y en a en Chine, il y a un produit chez Asus, donc Republic of Gamer, que je vais bientôt tester, mais il faut la source, il faut le smartphone compatible et tout ça. Mais la PTX Lossless débarquerait, selon Qualcomm, d'après eux, hein, les ingénieurs me disent « IPPG, ça va se pointer en 2023 ». Je dis « D'accord, pas de problème, allez-y, haut les cœurs ». Et j'ai encore un clou du spectacle. Je vais m'asseoir un petit peu là, vous allez voir, un petit clou du spectacle qui est relatif à Bose. Alors, vous connaissez Bose, elle était sur la chaîne de tous les côtés, vous avez les écouteurs, les nouveaux justement, les QC Earbuds 2 qui sont sortis, et Bose justement intègre dans les QC Earbuds 2 les puces Qualcomm, c'est-à-dire les deux nouvelles, c'est-à-dire il y en a une des deux, ils ont dû prendre la S3 ou la S5, ils sont dedans, directement dedans. Il y a un truc super important qui m'a fait beaucoup marrer pendant les réunions, c'est ce sont les petits gars de Qualcomm qui sont venus me voir en disant ça fait quand même des années qu'on chasse Bose, tu vois, la chasse, tu vois, ou Dahu, tu vois, ils chassent, ils n'arrivaient pas à mettre des puces Qualcomm dans les écouteurs et les casques Bose, et là ils ont réussi avec les QC justement Earbuds 2. Un truc super important, c'est que ces écouteurs nouvelle génération, comme ils intègrent déjà la puce S5 à l'intérieur, ils vont pouvoir évoluer avec une mise à jour qui devrait arriver, je pense, attention, des guillemets, regardez la taille des guillemets partout, les géants les guillemets, devraient arriver mars, avril, mai, grâce à une mise à jour, ces écouteurs pourront devenir des écouteurs avec l'audio spatial, donc le mouvement de la tête avec le smartphone, et pourront également devenir lossless, c'est-à-dire une qualité CD sans compression, et cela au travers d'une mise à jour. Quand j'ai posé la question aux ingénieurs de Qualcomm, je leur ai dit est-ce que oui ou non, Bose pourra en 2023 avoir du Bluetooth en qualité CD sans perte, c'est-à-dire lossless. La réponse a été oui. Alors oui, a priori pour l'évolution, enfin la mise à jour des Earbuds 2 et sur les nouvelles générations, c'est-à-dire tout ce qui arrivera après cette génération d'écouteurs sera obligatoirement lossless, y compris les casques. Parce que du moins qu'ils adoptent cette plateforme, donc la S5 Plus, un smartphone qui serait donc compatible avec le lossless, on pourra avoir du lossless chez Bose en 2023. Certainement, s'il y a le QC55 qui se pointe, il devrait être Bluetooth en lossless s'ils utilisent la plateforme Qualcomm. C'est quand même une sacrée nouveauté. Il y a un truc qui me fait marrer avec Bose, et pourtant, je sais que je les adore, hein, des gens charmants, de bonne famille. Ce qui me fait marrer, c'est que je peste un peu depuis le début quand je teste les produits Bose en disant « Oui, alors, les codecs, vous ne faites pas très très fort. Vos codecs, c'est uniquement les codecs les plus basiques. » Et d'un coup d'un seul, ils ne passent pas par la case APTX, machin truc, APTX Active HD. Non, directement, grâce justement à cette plateforme Qualcomm, ils passeraient à la qualité lossless. D'un coup d'un seul, il n'y a pas de palier intermédiaire. Je reste quelqu'un de très très prudent. Tant que je n'ai pas vu et entendu cette mise à jour sur les QC Earbuds 2 de Bose, pour le moment, je dis ça va arriver. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que pendant la conférence Qualcomm, il y avait quelqu'un de Bose qui était là et qui a dit « Voilà, on va travailler avec Qualcomm sur la plateforme et autres. » Mais la personne de Bose n'a pas cité l'audio spatial ni le lossless. C'est après moi, en parlant avec les ingénieurs justement de Qualcomm, qu'ils m'ont dit « Bah de toute façon, c'est l'audio spatial et c'est le lossless. » Bon, allez. Je pars de ma plage parce que là, vous en avez marre peut-être de voir ça, mais on ne peut pas en avoir marre. Alors, oh, mais je ne vais jamais y arriver. Hein. Alors justement, l'audio spatial, on va en parler avec un extrait d'un sondage fait par Qualcomm. Connaissez-vous l'audio spatial, donc spatial audio? Alors là, accrochez-vous pour les résultats, c'est exactement ce que je pensais. Il y a 27% des gens questionnés aux États-Unis, en Europe et en Asie qui disent ne pas savoir du tout ce qu'est l'audio spatial. Je suis même pas surpris, c'est normal qu'ils ne sachent pas encore. Alors 17% disent qu'ils connaissent que le nom, c'est déjà vachement bien. 22% disent qu'ils savent un tout petit peu ce que c'est. Il y a 23% qui disent j'en sais un petit peu plus qu'un tout petit peu. Et 11% des gens interrogés savent ce qu'est l'audio spatial. Ça fait qu'à la base, 73% du public mondial ne sait pas ce qu'est l'audio spatial. Voilà, ça résume tout. Mais pour le moment, le message ne passe pas vraiment parce que c'est compliqué déjà de mettre en application le fait que quand on bouge la tête, on a la scène sonore qui se balade en même temps. Il faut acheter des écouteurs qui sont donc compatibles soit avec Apple, soit avec Samsung, avec certains, ou soit je ne sais pas quoi. Justement, Qualcomm veut uniformiser tout ça pour 2023 et permettre à un maximum de marques d'avoir de l'audio spatial. Mais encore une fois, pour le moment, 73% des gens dans le monde ne savent pas ce que c'est. Par contre,
Dans les enquêtes Qualcomm, il y a 41% des personnes interrogées qui seraient prêtes à dépenser plus pour avoir l'audio spatial. Et 28% disent, moi, pas plus de 5 dollars, quoi. Pas plus de 5 dollars pour avoir l'audio spatial. Et les autres disent, bah, pas question, moi, je paye pas un centime pour ce truc-là. D'abord, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est le résumé. Mais les chiffres sont quand même super optimistes. Je sais pas d'où ils tiennent tous ces chiffres, mais voilà, c'est très, très optimiste tout ça, hein. Mais c'est merveilleux. Si c'est comme ça, 2023 sera absolument wonderful. Bon, on va parler un petit peu maintenant, si vous le voulez bien, de l'attitude des consommateurs, c'est-à-dire de vous, hein, y compris les gens dans le monde entier. Qu'est-ce que vous faites avec vos écouteurs, voilà, vos earbuds, true wireless? Numéro 1, 76%, bien sûr, écouter de la musique. Je crois que c'est clair. Numéro 2, pour donner des coups de téléphone. Numéro 3, pour regarder des films, voilà, pour avoir de la vidéo, des films sur YouTube. Le gaming arrive après à 38%. Les appels en visiophone arrivent à 35%. Après, il y a le podcast, donc à 34%. Et le travail, c'est les gens qui bossent, bien sûr, avec les écouteurs, 27%. Ah bah, regardez un petit peu le fond vert. Look at the fond vert, it is incredible. Voici donc, enfin, messieurs, dames, les annonces de Qualcomm pour l'audio en 2023. Ce sont des annonces très importantes. Pourquoi? Parce que Qualcomm a beaucoup de clients. Ils ont 70 clients dans le monde d'Android. Si ces marques adoptent la puce génération 2+, deux puces qui s'appellent S3 et S5 qui travaillent l'audio, si c'est adopté, tout ce que je vais vous dire maintenant va atterrir sur les smartphones en 2023-2024. Alors, la première annonce qui a été faite avec un bruit de fanfare incroyable, j'en ai tremblé de partout, c'est une annonce qui s'appelle... Eh bien, il était temps, hein, qui s'appelle l'audio spatial. Alors justement, on va faire un petit essai ensemble avec une démonstration. Je vais aller sur le terrain tout de suite. Vous allez me retrouver devant un smartphone et je vais vous expliquer comment ça fonctionne chez Qualcomm et est-ce que ça fonctionne mieux ou pas. Vous savez ce qu'on va faire? J'ai les earbuds ici avec donc tout le nouveau système Snapdragon avec le spatial audio dynamique. Eh bien, je vais envoyer une petite démo. Qui est ici, c'est parti, et je vais vous dire ce que j'entends, ce que je ressens. Alors, il faut savoir que d'après eux, justement, il y a une latence extrêmement minime entre le mouvement de la tête, c'est-à-dire le donneur d'ordre, et la réalité. C'est-à-dire qu'il y a 48 millisecondes uniquement de latence, ça fait qu'on peut bouger la tête très 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 vite. Je vais le faire d'ailleurs, comme ça. Ah ouais, ça marche. C'est-à-dire que là, il fait ça, vraiment. Je peux vous dire qu'avec d'autres systèmes, on peut pas bouger aussi vite que ça. Oh là, la tête qui tourne, la tête qui tourne. Voilà, attends. Voilà. Et on peut aller jusqu'à... Alors, ce qui est important, parce qu'il y a un truc que je dois dire... Oh là, je vais l'enlever. Il y a un truc que je dois dire qui est très important concernant ce système, c'est qu'ils peuvent traiter jusqu'à 48 canaux. Je vous explique. En effet, quand on a un système comme ça, il faut qu'il y ait une source. La source, quand vous avez des films ou autres, c'est 5.1 canaux, 7.1 canaux. Vous savez qu'on peut spatialiser avec du binaural. Donc, avoir un effet justement spatial binaural. Vous avez la vidéo sur la chaîne que je vais mettre par là. Voilà, là. Là, la vidéo. On explique le binaural. Donc, on a besoin d'une source avant de faire justement le système binaural. Eux, ils peuvent aller jusqu'à 48 canaux différents et les spatialiser à l'intérieur. C'est théorique. Faites gaffe parce que ce qu'ils disent ici, on est chez Qualcomm, on est chez eux, ils vont vous dire des trucs extrêmement théoriques. Ils disent, voilà, en théorie, on peut aller jusqu'à 48 canaux qu'on peut spatialiser, que vous allez pouvoir entendre en bougeant la tête avec la scène sonore. Ça fonctionne. Techniquement, là, ça fonctionne. Dans tous les cas, tout ça, c'est dans le bon sens. Moi, ce qui m'épate, on est entre nous ici, hein, on est entre nous, ce qui m'épate, c'est qu'eux balancent l'audio spatial. Oh, c'est joli, on est Qualcomm, on est quoi, on balance l'audio spatial. Mais enfin, c'est pas une nouveauté. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été utilisé déjà auparavant et par Sony, il faut pas oublier, par Sony et Sony 360 degrés, c'est l'audio spatial, ainsi que bien sûr Dolby. Dolby qui fait du Dolby Atmos ou bien du Dolby Gaming en audio spatial binaural et autres. Et bien sûr par Apple, qui est à mon avis le plus gros promoteur de l'audio spatial qui puisse exister. C'est-à-dire que Apple, avec Apple Music, qui met carrément des playlists audio spatial sur Apple Music, quand on sait le nombre d'abonnés à Apple Music, on n'est pas sur un truc léger, hein. Ces gens travaillent très très fort et eux, ils arrivent maintenant en disant on fait mieux parce qu'on a moins de latence, parce que ça va mieux et tout. Je rappelle quand même qu'à ma connaissance, pour avoir de l'audio spatial sur la nouvelle plateforme, il faut que ici, on ait justement la nouvelle plateforme Snapdragon et que de l'autre côté, on ait également des écouteurs équipés justement des nouveaux systèmes, des nouvelles puces, donc je crois que c'est S5 ou S3, qui sont réactives avec le smartphone. Il faut qu'il y ait un donneur d'ordre, le mouvement de la tête, de l'autre côté ils le comprennent et qu'on puisse travailler l'algo comme des fous. Donc voilà, c'est un va-et-vient, c'est ce que j'explique, c'est vraiment des va-et-vient entre les écouteurs, mouvement de la tête, et lui qui va envoyer un signal et qui va dire voilà c'est à droite, c'est à gauche, on bouge, on fait de l'immersion. Oh, c'est trop beau. Oh là 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 là, oh là.
Vous avez vu, messieurs, dames, c'est de toute beauté ce qui va se passer. Mais attention maintenant, la suite des réjouissances, c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde. Parce que le Bluetooth, tout le monde utilise le Bluetooth. J'utilise, vous utilisez, j'utilise, dans ce sens-là, hein, j'utilise, vous utilisez. Mais le Bluetooth, quelque part, c'est vraiment un plaisir solitaire. Pourquoi ? Parce que c'est souvent le smartphone avec une paire d'écouteurs. Il y a des systèmes chez Apple ou bien avec certains téléviseurs Samsung ou LG qui permettent justement d'appairer deux casques ou bien deux paires d'écouteurs. Mais c'est assez rare. Globalement, c'est vraiment toi avec toi. Et si je vous disais que demain, grâce à quelque chose qui s'appelle l'AuraCast, donc c'est l'audio sharing, on peut appairer à un diffuseur, donc un smartphone, plusieurs casques, plusieurs écouteurs et un nombre presque illimité. Là, vous me dites, mais c'est du délire. C'est du délire. C'est l'AuraCast. Et l'AuraCast est inclus dans le Bluetooth LE. Alors LE, c'est pour Low Energy. Le Bluetooth Low Energy existe depuis des années, mais là, il est en train d'évoluer avec justement de nouvelles choses qui sont implémentées, dont l'AuraCast. Alors l'AuraCast, c'est un système vraiment très très pratique parce que imaginez qu'en effet, vous êtes dans un musée et vous avez un signal AuraCast qui arrive. Bah, AuraCast, si vous êtes rentré dans le musée, vous avez, tiens, indication AuraCast, vous appuyez dessus et vous avez la visite guidée du musée, vous et d'autres personnes à côté de vous. Vous avez un point d'émission vers plusieurs casques, écouteurs. C'est l'AuraCast, c'est vous qui choisissez en plus hein, ce que vous voulez recevoir ou pas recevoir. Et il n'y a pas que ça d'intéressant. Il n'y a pas que le fait qu'on ait un émetteur avec plusieurs récepteurs. On peut avoir plusieurs récepteurs et plusieurs émetteurs. C'est parti, voici la démo. Vous allez donc assister dans quelques instants à une révolution pour moi, je pense, pour 2023. L'AuraCast. Let's go. Hello, sir. Hi. Hello. Maintenant, on va faire une petite démo intéressante sur ce qu'est justement, vous allez voir ici, l'AuraCast. Alors, l'AuraCast, imaginez, vous allez mettre vos écouteurs. Formidable, ils sont là, les écouteurs. Et quand vous allez avoir les écouteurs, grâce à AuraCast, vous allez pouvoir choisir, par exemple, entre le son qui vient de celui-ci ou de celui-ci, en tapant sur, justement, une partie des écouteurs. On va le faire ensemble. Donc là, pour le moment, moi, j'ai le jazz, ici. Donc, si je veux avoir le son qui vient de l'autre, je vais taper trois fois. Three times? Twice. Two times. Yes. Et j'ai l'autre. If I press two times again, it's going to be the other one. Donc je peux choisir moi-même ce qui se passe. Alors ce système, à ma connaissance, il y a un nombre de canaux qui n'est pas infini, parce qu'il n'a pas pu me dire infini, mais plus de 10 déjà. Donc on tape et on choisit comme ça entre un émetteur, enfin je vais revenir dans l'autre sens d'ailleurs. Entre celui-ci, celui-ci, il pourrait y en avoir 3 ou 4. Pour que ça fonctionne, il faut que ici l'émetteur et donc la plateforme Snapdragon et que ici eux, voilà, ils aient également la plateforme. Si vous mettez n'importe quel type d'écouteur, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a beaucoup de trucs hein, qui se passent ici. Ils sont en train un peu de forcer un peu les choses parce que je pense qu'ils veulent vraiment réussir à s'imposer parfaitement dans le monde de l'audio, et notamment du lossless, notamment justement de l'AuraCast, donc la multidiffusion au travers de plusieurs flux et le Dynamic Spatial Audio. Donc en effet, le mouvement de la tête, le head tracking qui va avec, puisque eux, ils lancent ça après les autres quand même. Eux, ils ont fait un essai avec un émetteur et jusqu'à environ 24 écouteurs, mais c'est théorique pour le moment, ils sont en train de finaliser et on peut bien sûr switcher en tapant ici avec plusieurs voix. C'est comme si on était en train d'écouter la radio et qu'on avait 20 stations de radio qui étaient sur le funk ou le R&B et on tape une par une comme ça, on peut les passer. Donc c'est une idée avec AuraCast qui était en même temps dans le secteur professionnel, parce qu'imaginez vous arrivez quelque part et vous avez dans un endroit la possibilité d'avoir du Bluetooth comme ça et vous tapotez et vous changez de canaux. C'est la fin du côté solitaire d'avoir un émetteur, donc ici le smartphone et une seule paire d'écouteurs. Ça serait la fin de ça, c'est multiples écouteurs avec multiples choix en face. Donc en résumé, l'AuraCast, c'est en quelque sorte de l'audio multipoint, mais multipoint chez multipoint, c'est-à-dire presque à l'infini. Donc c'est l'audio sharing qui devient AuraCast. Et tout ça fait partie justement d'un codec. Le codec Bluetooth LE. Alors attendez-vous à beaucoup entendre parler du Bluetooth LE dans l'année 2023, on en parle déjà beaucoup. Il s'agit d'une évolution du Bluetooth Low Energy qui intègre notamment un nouveau codec audio qui s'appelle le LC3. Alors le LC3 fait partie des projets de tous les fabricants de tous les côtés. Le LC3 a beaucoup de fonctions, dont des fonctions justement pour les écoutes avec des prothèses auditives, des choses comme ça, alors sur lesquelles tout le monde travaille. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'avoir la même qualité audio que ce que vous avez maintenant avec le SBC et le AAC, mais avec deux fois moins de débit. C'est-à-dire qu'avec 160 kbps par seconde, vous avez la même qualité audio qu'en 320 ou 325. Voilà, c'est l'idée d'avoir low energy. Donc avoir un smartphone qui consomme moins. Par contre, tout de suite, je vous rajoute un petit truc. Le LC3, à ma connaissance, dans sa version dite basique, n'a pas un son qui est de meilleure qualité. Car en effet, il est bon
avec la moitié du débit de ce qui était bon avant. Voilà, c'est officiellement la fin des sessions. Je vais ressortir un petit peu, parce qu'il faut savoir à la base que quand les gars parlent ici, les gens de Snapdragon parlent ici, ils ne peuvent pas parler à la place des marques. C'est-à-dire qu'ils ont en effet une plateforme, qui est donc Snapdragon, tout l'écosystème, toute la plateforme, ils créent un truc. Après, c'est à la marque, entre guillemets, d'utiliser la plateforme, et la marque, elle en fait ce qu'elle en veut, c'est-à-dire qu'elle peut prendre certains morceaux de ce que propose Snapdragon et pas de l'intégralité. Donc quand vous posez des questions ici aux ingénieurs, ils vont vous dire « Ok, vous faites des trucs et tout, mais si je leur demande qu'est-ce que vous allez faire avec Bose et autres, ils ne peuvent pas parler à la place de Bose ou de Sony ou de gens qui travaillent avec Qualcomm. Donc la difficulté est là, je vais redevenir un peu bronzé, vous allez voir. Ah, la difficulté est là parce que l'exercice est compliqué. C'est d'avoir à la fois des informations et des informations avec des marques qui ne sont pas ici. Donc je jongle, je suis content. Mais c'est tellement génial de pouvoir être là. Ah, le petit Kassim. T'as vu comment on regarde les couleurs, comment on est bien éclairé? C'est incroyable. Je suis rose. Oui, c'est Piggy le cochon et le cochon. Donc voilà, c'était mon pote Kassim. Mes mains qui font guili-guili, je suis là. Je ne me filme pas parce que je suis de la couleur de la moquette. Et c'est pas joli joli. Hein. Preuve. Voilà, donc voyez un petit peu, je ne vais pas me filmer. Là, ça va être encore pire, regardez. Attends, attends. Bien détouré, là, faites-vous plaisir. Bon, pour information, à chaque fois que je vais quelque part, il pleut. Donc là, je suis arrivé à Hawaï, donc à Maui Island. Je suis arrivé hier. Hier, il faisait beau. Aujourd'hui, bah, ça y est, ça va partir. Il y a les nuages ici, ça commence à le vent commence à se lever et tout. C'est moi. C'est. Vous savez, il y a des gens qui portent bonheur. Et puis, il y a des gens qui, ben non. Et ben moi, c'est ben non. Et voilà.